Fala baixo. Non. Vas-y, va là-bas.
Je crois pouvoir dire que nous sommes tous vénérables
à nos anciens membres décédés pour leur participation à la vie de notre mouvement. Il est un fait que nous n'aurions pas pu assumer notre objectif ou toutes ces charges sans leur soutien. Mes chers, c'est au nom de tous les membres décédés que nous sommes réunis ce jour. Ce qui nous rassemble, c'est l'amitié. L'amitié pour celles et ceux qui étaient dans la peine parce qu'un proche a terminé sa vie terrestre parmi nous. L'amitié surtout pour nos membres décédés que nous connaissions depuis longtemps parfois. Ces personnes avec qui nous avons vécu des moments privilégiés au cours de nos réunions, de nos fêtes et de nos réunions. Que notre rencontre de ce jour soit une rencontre de merci. C'est d'ailleurs le sens de la célébration du Eucharistique, rendre grâce. Que notre rencontre autour d'eux soit aussi pour chacun et chacune d'entre nous un moment fort. Nous sommes tous concernés par le drame et l'absence qui touche les familles. Nous souhaitons marquer notre soutien aux familles par notre solidarité qui se bat aujourd'hui par cette messe d'action de grâce. Nous sommes ici avec la diversité de nos convictions et pourtant tous unis devant le ministère de la banque et de la vie. Que ce moment nous permette de faire grandir, de laisser grandir ce qu'il y a de meilleur en nous. Nos chers défunts, nous vous remercions pour ce que vous avez été et vous continuez à être parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir donné du cœur à l'ouvrage afin que nous évoluions, quelle que soit la place que nous occupions, en vue d'un monde meilleur, un monde où il y a la paix et la générosité, un monde où le prochain est celui dont je me fais proche au sein de nous. Ce chemin de la vie qui nous semble parfois si arduo, si long et si incompréhensible pour nous chrétiens de tout pays et de toute religion, nous devons le parcourir avec foi et espérance. Je pense que souvent nous considérons Dieu comme un faisant de miracles, qu'avec lui tout doit arriver. Je dirais que oui et non. Car la route aussi riche et persuasive nous réserve d'énormes surprises, maladies, chômage, perte d'emploi et bien d'autres choses encore. Mais nous ne sommes pas à battre par les difficultés que nous traversons et redressons nos têtes devant l'adversité très grave. Ainsi va la vie et ainsi va le monde. Mes chers, vous avez accepté en dépit de vos agendas surchargés de rehausser de votre présence cet après-midi à l'anniversaire de 25 ans de la disparition de Flamand, une initiative pionnière dans le monde associatif. Je voudrais, par la même occasion, rendre un hommage à l'abbé Boigny, un des premiers prêtres africains de la ville de Madagascar, décédé récemment, le 3 novembre 2012, que son âme repose en paix. Enfin, nous renouvelons nos sincères condoléances aux familles des pécheurs disparus et nous les recommandons à Dieu dans nos prières. Dans un instant, au moment de la prière des intentions, je céderai la parole au président de l'État, à qui a chuté mon père, pour nous présenter à l'année des saints. Restant en terminant de prière les uns avec les autres. Prions le Seigneur. Amen.
Thank you.
la célébration pascale. Augmentons-nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a racheté. Nous le demandons par Jésus notre grand frère, mort et ressuscité, et maintenant demeurant en nous, aujourd'hui, demain et tous les siècles des siècles. Et dans la première lecture des Actes des Apôtres, on entend comment les premiers chrétiens mettaient tout ensemble pour montrer qu'ils sont les disciples du Christ réaliste. Écoutons cette lecture. Oh.
sans marque. Ainsi, je voudrais vous mettre ici, avec la patience, tout en remerciant aussi le président, mais je l'aurais peut-être appuyé. Je remercie infiniment non seulement les membres de la famille des médecins, mais aussi le conseil d'administration qui a voulu mettre sur hein, cet événement qui marque déjà de 25 ans, c'est-à-dire le 4e siècle, notre association, l'Empreinte, qui est une union associative qui adresse son temps et qui continue son bonheur de chemin. Je veux que l'on puisse dire et qu'elle est l'une des associations congolaises en Belgique qui a pu résister contre vent et marée. Son origine historique se situe au premier semestre de l'année 1973 ou 1973, à la mort d'un étudiant dénommé Albert Lula, originaire du sud de la province de l'Équateur. Ce jour-là, en face d'un événement aussi cruel qu'il a attendu, la communauté estudiantine congolaise, ne sachant à quel sens se vouer après la réponse négative de l'ambassade du Congo d'intervenir aux frais de rapatriement et de la dépouille des infortunés de faim, s'est décidé de recourir le centre d'internement à ce qui est convenu d'appeler article 15, c'est-à-dire la gouvernance. Celle-ci, la gouvernance, s'est concrétisée en demandant un peu d'argent à toutes les façons dans les rues de Bruxelles et dans les milieux universitaires sans oublier les quelques dignitaires congolais de l'époque qui se trouvaient à ce moment précis en mission en Belgique. La somme d'argent ainsi récoltée nous permet d'assurer l'acheminement du corps du défunt par bateau, tandis que le reliquat fut remis à la grève de Yulaki avec ses deux enfants en très bas âge, devait regagner le Congo par avion dont le frais fut supporté par son maître. Une fois cet ouragan passé, celui-ci sera suivi par deux périodes distinctes. L'une d'accalmie et de silence correspondant à celle de réflexion, et l'autre d'action ou de réveil, caractérisée par l'apparition explosive de plusieurs associations socioculturelles de coloration ethnique ou régionale, mais ayant toujours même les mêmes objectifs, l'entraide des membres. Parmi celles-ci, parmi donc ces associations, il y a une électricité le plus importante, comme la Ken pour les Kassaya, les Kyoto pour les Katangé, les Simakiko pour les Kyrgyziens, etc., etc. Pour nous, un élément déclencheur, lancé sous forme des SOS en provenance des villes en France, viendra interrompre cette période d'essai et d'abonnement. En effet, après deux endroits du fruit des deux collègues d'argent à la personne en détresse, il fut décidé de la constitution d'une caisse préventive destinée à parler à toute éventualité à venir en lieu des droits qui ont toujours réagi
de manière ponctuelle. Ce départ ne finira pas de naissance à une forme. L'obstinatie, qui veut dire rassembler. Cette domination, de dénomination, bien condamnable étymologiquement, mais son défaut était celui d'avoir une consonance au nom ethnique, ce qui lui fera projeter à l'actuel après une cure du Quater, en Amazon et d'ailleurs, ce qui fut majoritairement voté par le membre de l'Assemblée constituante. Cet homme, cette formation, qui sera publiée du 8 juin 1988 au Monteur Belge sous forme d'HDL, portant le numéro de l'application 12575, et dirigé par un premier conseil d'administration dont je suis le président. Après quoi, les conseils d'administration, comme aujourd'hui, organisant le 11 mars 1989, le premier bal de sortie officielle auquel était confié le représentant des associations sœurs et ceux qui auront l'occasion ou la chance d'aller à exiger la projection de la cassette de cette première mémoire. Il faut signaler qu'entre la période préqualifiée de réveil, située approximativement 3 ans après le décès de Lula et de Fouille, il y a lieu de distinguer 3 catégories des membres suivant donc certains sommets et auxquels s'adresse nos prières en ce jour mémorable. D'abord, les artisans de cette association ou des fondateurs à qui je dirais qu'ils soient morts ou vivants puissent avoir le remerciement d'avoir mis sur pied cette association. Deux, les membres adhérents qui ont rejoint le premier, qu'ils soient membres effectifs, sympathisants ou donneurs. Trois, les autres ont pu assimiler aux conseillers qui n'ont pas dit leur conseil et leur participation financière sporadique, tout en étant membres occasionnels, mais ne pouvant pas s'appliquer assidûment pour raison de leur fonction ou d'éloignement. Vous avez compris ici, je fais allusion aux ambassadeurs. Au sein des membres de ces 3 groupes, il convient de distinguer ceux qui sont décédés tout en étant toujours membres de l'association et ceux qui sont morts après avoir quitté celle-ci. Quant à ce qui nous concerne, nous n'avons pas voulu appliquer cette discrimination inédite. C'est ce qui explique, mesdames et messieurs, la liste de tristement longue que je vais appeler à la longueur de vous énumérer. Thank you.
Bueno, aquí nos damos gracias a ser
Dieu de miséricorde, nous savons que plus ta prière de tes enfants ne lèche pas l'air. C'est pour que notre cœur se ferme à ta face. Donne-nous de te reconnaître sur nos chemins, toi qui nous aimes aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble avec le pain et le vin que Jésus changera en sortie en abondance pour nous communiquer son pain. Ok, ça va. Très bien. Non, ça va, il n'y a pas de soucis. Ça va. Thank you.
Et tous les saints, nous te prions et te glorifions